Un malin petit écureuil. La collection, la ronde des animaux. De la collection Minano. Un malin petit écureuil. Illustration de Mattal. Texte adapté par Jean-Luc Renaud. Depuis un mois, le printemps était revenu dans le Val des Ombres. La joie régnait dans le cœur des animaux, effaçant le triste souvenir de l'hiver. Pic et Nick, les deux sympathiques écureuils, avaient repris leurs occupations de la bonne saison. Un jour, Pic confia à son frère. « Hier, j'ai croisé Nepha le mulot. Il m'a raconté qu'il avait découvert près d'ici d'immenses champs de carottes superbes. Allons-nous y installer ?» Et Nick, qui était aussi gourmand que son frère, accepta avec enthousiasme. Ils atteignirent enfin la vaste plaine et s'arrêtèrent dans une jolie clairière où poussaient des fleurs odorantes. Ils construisirent aussitôt une confortable maisonnette à l'ombre des grands pins. Quelle belle vie pour eux! Ils passaient leur temps à se régaler de jeunes carottes et à se reposer dans leur joli nid. Un jour, Pic revint des champs avec un panier plein de légumes savoureux. « Regarde, dit-il à son frère, la récolte a été si abondante que nous ne pourrons jamais tout manger. Et si nous en offrions à notre amie marmotte ?» suggéra Nick. « Quelle bonne idée !» Pic se prépara aussitôt pour le voyage. Avec les pétales d'un coquelicot, il se confectionna un bonnet si beau que les animaux du bois en restèrent longtemps émerveillés. Ils dansèrent une ronde endiablée autour de notre héros en chantant « Pic au bonnet rouge, ses chaperons rouges !» Tout fier de son ingéniosité, Pic se mit en route sans attendre vers le pré d'or, où vivait la marmotte. Sur l'épaule, il portait un bâton au bout duquel se balançait un petit panier plein de carottes. D'un pas alerte, il suivait le sentier de la forêt lorsque soudain il fit une rencontre inattendue. Accoudé à la branche d'un arbre, Lucifer le chat, le plus méchant et le plus violent des environs, guettait son passage. « Où vas-tu ainsi, petit Pic ? » demanda-t-il d'une voix douce et trompeuse. Sans méfiance, le jeune écureuil le renseigna avec amabilité. « Je porte ces carottes à mon ami, Marmotte, qui habite là-bas, auprès d'or. Bon voyage !» souhaita le chat en s'éloignant. Pic oublia bien vite cette rencontre et s'attarda à cueillir les jolies fleurs jaunes qui croisaient autour de lui. Soudain, une voix aiguë l'appela. « Pic ! Hello, Pic !» Surpris, notre héros leva la tête et aperçut une mignonne mésange bleue qui s'était posée sur la branche d'un bouleau et qui cherchait à attirer son attention. « Qu'y a-t-il ? » s'enquit notre ami. « Alerte ! » cria l'oiseau. « Si tu veux sauver la vie de ton ami marmotte, hâte-toi ! J'ai vu ce monstre de Lucifer se diriger vers sa maison. »« Que lui veut-il ? » demanda l'écureuil. La mésange baissa la voix pour confier. « Je crois qu'il veut la dévorer. »« Pas de temps à perdre !» s'exclama Pic. « Je cours prévenir mon frère. » Notre chaperon rouge était hors d'haleine quand il déboucha dans la clairière où était resté son frère. Celui-ci était justement occupé à ramener à la maison une carotte d'une taille gigantesque. « Regarde » cria-t-il surexcité. « As-tu déjà vu une carotte comme celle-ci ? » Lorsque Pic eut réussi à reprendre son souffle, il bégaya. « Laisse-la, cette carotte, et viens vite avec moi. »« Qu'est-il arrivé ?» demanda Nick. « Marmotte court un grand danger. » Et Pic s'empressa de raconter à son frère ce qui s'était passé. Les écureuils s'armèrent d'une fronde solide et se ruèrent dans le bois. Tout en courant, ils ramassaient des noix dont ils allaient se servir comme projectiles. Il ne leur fallut que peu de temps pour atteindre l'habitation de la marmotte. Perché au sommet d'un buisson,
La jolie mésange bleue les attendait. « Hep !» siffla-t-elle, « j'ai surveillé Lucifer. Il est en train de creuser un trou dans la paroi de la maison. » Vite, les écureuils se glissèrent parmi les hautes herbes et aperçurent le chat en plein travail. Nos amis plantèrent aussitôt leur fronde dans le sol et visèrent avec soin. Quelle avalanche ! Dures comme des pierres, les noix crépitèrent sur le dos du chat qui crut que la guerre avait éclaté. Les poils hérissés, il prit la fuite avec de grands bonds et des miaulements d'épouvante. À dater de ce jour, on ne le revit plus jamais dans le pré d'or. Figurez-vous, chers enfants, que le bruit du combat n'avait même pas réveillé la marmotte. Il faut dire qu'elle n'était pas encore sortie de son sommeil hivernal malgré la venue du printemps. « Ouh, ouh !» cria en vain nos amis. Elle n'entendait absolument rien. Avec leurs ongles, les deux écureuils agrandirent l'ouverture faite par le chat et ils purent ainsi secouer de toute leur force l'obstinée dormeuse. « Hein ? Quoi ? » bredouilla-t-elle en bâillant. « Pourquoi m'empêcher de dormir ?» Mais elle reconnut Pic et Nic. Ceux-ci lui racontèrent alors les mésaventures de Lucifer et le danger qu'elle avait couru. Les trois amis entamèrent ensuite une ronde pleine de joie, si le chat avait pu les voir. Ce fut une joyeuse soirée que celle qui suivit la bataille contre Lucifer. La mésange bleue avait parcouru la forêt en annonçant la défaite du chat, et tous les oiseaux s'étaient donné rendez-vous près de l'habitation de Marmotte. « Tiens, Marmotte, » fit Pic, « regarde ce que nous t'avons apporté. » Et il montrait du doigt la grande corbeille que son frère était allé chercher dans le bois. La dormeuse se mit à rire de mon cœur. « Oh, mon dessert favori, après mon long sommeil, je me sens en appétit. » La troupe entière des animaux fit ainsi un délicieux repas de carottes et de noix, celles qu'ils avaient servies de projectiles contre le chat. On chanta, on dansa, jusqu'au matin. Des éditions de Lito de Paris. Un malin petit écureuil.